C'est la plus francophile de nos cousines québécoises. Amoureuse des mots, Isabelle Boulet continue tranquillement sa balade musicale à travers la France avec son dernier album « Les grands espaces », de ses premiers contacts avec la musique. J'étais vraiment une enfant heureuse parce que je faisais ce que j'aimais. En passant par ses plus belles rencontres, Isabelle Boulet a accepté de se replonger dans les souvenirs du passé pour quelques instants. Je fais clap. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très très bien. Ah ben ça, j'ai tout de suite reconnu mon village. C'est le village de Sainte-Félicité. Mm-hmm. Et je peux même... mon Dieu, je revois mon école en face. Le couvent des religieuses qui, là, a changé de côté de la rue. Mais moi, à l'époque où j'ai vécu dans ce village, il était juste... à côté de l'école, et c'était là que je faisais mes leçons de piano, en fait. Mais je suis capable de pointer ma maison. Ah! Ça, c'est quand j'étais petite. En fait, on voit même une photo de moi où je suis habillée en chanteuse country. J'étais vraiment une enfant heureuse parce que je faisais ce que j'aimais. Déjà, j'étais petite. Et je chantais déjà quand j'étais enfant, donc... Vous chantiez, vous faisiez des spectacles, des choses comme ça? Ah oui, j'ai commencé, là, quand vous me voyez habillée en cow-boy, là, c'est... j'avais, là-dessus, j'ai 8-9 ans, et j'avais commencé... j'ai chanté en public, je pense que j'ai... Bon, à part pour les clients du restaurant de mes parents, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, en fait. Les clients, quand ils venaient au restaurant, ça les amusait. Moi, j'avais à l'époque 2-3 ans. Alors, ils mettaient une pièce dans le jukebox et puis ils me mettaient debout dessus. Puis moi, je chantais comme les petits-enfants se prêtent à ça. Moi, quand je demande à mon fils de chanter, il chante. Ou quand je lui demande de danser avec moi, il danse. Ah, Jacques Brel, c'est... Il y a des marins qui mangent. C'était quelqu'un de très lucide, d'extrêmement brillant, qui ne mettait pas de voile entre lui et la réalité. Et quand il interprétait des chansons, il ne mettait pas non plus de voile entre lui et le public, et entre... ce qu'il portait. Et donc, c'est quelqu'un qui s'assumait entièrement. Ah! Oh, c'est fantastique, ça! Quel beau souvenir! Moi, j'écoutais beaucoup Starmania quand j'étais étudiante. Et le personnage que j'aimais le plus et de qui je me sentais la plus proche, c'était Marie-Jeanne. Et puis un jour, bon, j'apprends que Luc Plamondon cherche quelqu'un pour jouer le personnage, pour reprendre le rôle et tout. Et puis, bon, j'avais déjà passé les auditions, mais j'étais très jeune à l'époque, j'avais 16-17 ans à la première audition. Et donc là, je repasse les auditions et puis je passe la première, je repasse la deuxième où il me fait venir chez lui. Et je me souviens, j'ai jamais sollicité quoi que ce soit à quelqu'un, mais là, j'étais avec lui sur sa terrasse et j'ai dit, Luc, donne-moi le rôle de Marie-Jeanne. J'ai dit, donne-le-moi, tu ne seras pas déçu. Parle-moi. Parlez-moi, ouais. Isabelle. Ouais. Et cette chanson-là, je pense que c'est la chanson à travers laquelle le grand public français a pu mettre, je dirais, un visage sur ma voix. C'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que quand je fais des spectacles, c'est la chanson qui... je dirais, a toujours la plus forte réaction, oui, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont retrouvés dans cette histoire-là, qui m'en parlent encore aujourd'hui. Quand je prends des taxis, « Ah oui, Isabelle Boulet, oui, parle-moi. » Ah, le grand Johnny. Je dirais que
c'est un des chanteurs les plus impressionnants que j'ai rencontrés. Quand on s'est retrouvés l'un en face de l'autre, tous les deux, on avait peur. Puis, ben lui, il devait avoir peur parce qu'il... C'est pas pour les mêmes raisons que moi. Moi, j'avais peur parce que je me disais, il faut que je sois à la hauteur. Puis lui, il devait se dire, est-ce qu'elle va donner le change, comme on dit. Ah, Benjamin et moi. Ben vous voyez sur la photo comme je suis détendue. Ouais, c'est exactement hein? ça. Et en fait, c'est l'effet qui me fait. C'est comme si j'étais avec un... Moi, j'ai pas eu de grand frère, je suis l'aîné de ma famille, mais avec lui, c'est comme si j'étais avec mon grand frère. Je sais qu'il va m'amener plus loin que là où je suis jamais allée. C'est un peu comme si tu partais en expédition avec quelqu'un et que tu dises, bon, ben il va faire noir par moment, mais j'ai jamais peur de l'obscurité avec lui, ni de quoi que ce soit. Dans les bagnoles, au Batignolles, à Istanbul, avenue du Roule. Carla Bruni, c'est une des femmes les plus libres de notre époque. Elle a un talent fou d'écriture. Moi, bon, les premières fois que j'ai été séduite par ses chansons, c'est quand elle a écrit pour Julien Clerc, que j'aime beaucoup aussi. Mais ouais, Carla Bruni, pour moi, c'est quelqu'un qui a le courage d'être libre. C'est pas toujours facile d'être une femme libre. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis une personne heureuse, mais je suis quelqu'un qui a toujours... je me dis que ça, si ça peut être mieux, allons vers le mieux. C'est toujours ça, quoi. Je pense que c'est humain. Merci.